En esta obra, todos los empleados están equipados con mascarilla. Al producir sus propias mascarillas, el reino ha sabido hacer frente a la escasez. En Francia, la polémica sobre su carencia es casi una cuestión de Estado. Ces derniers jours, un enjeu est sur toutes les lèvres. Celui des équipements en masques de protection. Je veux dire aux Français que je comprends et partage leurs attentes et parfois leur colère. Cada año, Veolia consume en Francia 150.000 mascarillas solo para su actividad de residuos, unos equipos fundamentales para proteger a sus empleados y mantener la actividad. C'est très utilisé dans cette zone-là parce que vous voyez, il y a des envols de poussière à cause du tri de déchets. En fait, ça soulève un peu de la poussière, donc tous les gars de l'équipe sont équipés de masques. A partir de febrero, sin embargo, el grupo activó sus redes para solicitar millones de mascarillas. A finales de marzo, por fin llegaron los primeros paquetes. Donc ça, c'est quelque chose qui est attendu avec grande impatience. Para su distribución al personal, teníamos que ser pragmáticos. Hello. Salut Nicolas. Ouais. Il y a jeune Vidiotus qui attend des trucs aussi. Ah, c'est pas du tout mon métier. Je m'occupe de l'informatique dans les bennes normalement, notamment sur la ville de Paris. Donc c'est pas du tout mon métier. Mais bon, j'ai une voiture, je sais conduire. Donc je fais livrer. J'ai pas plus de crainte que ça. Bon, ça va. On fait des gestes barrières, on se dit pas bonjour, on reste à un mètre, on se lave les mains. De toute façon, on n'a pas de choix. On fait partie des entreprises dites stratégiques, donc on y va. C'est génial, les masques. Ah ouais, c'est génial. Hein. C'est génial. Il y en a 400. 400 mascarillas destinadas principalmente a los trabajadores expuestos a las partículas contaminantes. Apenas bastan para 15 días, pero en este contexto ya es una proeza. En un momento en el que el mundo entero libraba una guerra sin cuartel para obtener esta preciosa mercancía, el grupo movilizó todas sus fuerzas. Una carrera contra reloj, a veces con algunos fallos. J'étais harcelé par mon contact qui disait mais vite dépêchez-vous, faites le virement, sinon les masques, je suis obligé de les lâcher. Je suis appelé toutes les 10 minutes et les gens me proposent 1 euro de plus le masque en continu. Et entre le moment où j'avais dit « Ok, je les prends » et le moment où on a eu le règlement, il s'est passé 3 heures. 3 heures pour bouger et arriver à ce que l'ensemble des services de Veolia disent « Banco, on paye, on fait confiance, on y va ». On a fait le virement, j'ai donné la preuve du virement et 2 heures après, le gars m'a rappelé en disant bah, « Trop tard ». J'ai loupé la commande, les 3 heures n'ont pas été suffisantes et je n'ai pas pu avoir ce lot de 5000 masques. Pendant longtemps, on a dit les masques, c'est inutile. Et puis un beau jour, on a dit les masques, c'est nécessaire. Tout le monde s'est rué dessus et vous le savez, comme pour les soignants, il n'y en avait pas assez, le gouvernement a dû réquisitionner les masques qui se trouvaient sur le territoire et notamment nos commandes, parce que nous utilisons régulièrement nous aussi. Des masques spécialisés.